Comedy, 12 mai. Tant mieux, ça c'est bientôt, hein. Millennium, Hagenau. Ouais, dans le 6-7. Kansas of Essence and the Gang. Live. Ouais. Big show. Et ça c'est vraiment la classe. Hello, my name is Kansas. Aujourd'hui, je vous emmène on the road. Aujourd'hui, on the road. La boîte en glisse. Hello, my name is Kansas. On the road, back ici à Strasbourg, au pays de la saucisse et de la tarte flambée. Oh. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers des tricks, des hits, au pays de la glisse. Bon, on va un peu découvrir tous les produits, tous les styles qui tournent autour de la glisse. Hein, et pour ça, on va chez Sidebox. Sidebox, c'est un magasin qui est spécialisé dans le truc. La boîte à glisse. Shop design. Bon, avant de rentrer dans le shop, je vais vous montrer un truc un peu particulier ici, quoi. Bon, quand on fait du PMX, du skate, hein, on s'en souvient des pieds, et du coup, ici, ils trouvent un truc radical, quoi. On les garde Sidebox, ils prennent les pompes, et puis ils accrochent. Ça les arrière et tout. C'est un peu comme à LA, hein, aux States, quoi, mais... Il n'y a pas que les Américains qui sentent des pieds, hein. Bon, je m'interroge quand même, parce que avoir la vitrine, là, shop, là, c'est moche, assez triste, hein, les fringues, là, tout ça, les sacs, pfff. On dit un Jones, là, ce qu'il pense de la vitrine. C'est foncé, ouais. Il n'y a rien pour le chase, en fait. Je sais pas comment ils font du chiffre ici, hein. La boîte à glisse. Sound design. Il y a un responsable ici? François Xavier. Je suis responsable de tout ce qui est BMX, longboard et skateboard. Bon, déjà, François, on est quand même dans l'univers un peu Jones, un peu stylish. Ah, il faut vraiment que tu changes de prénom. Je sais pas, Mike, ça te va? Mike. Bon, alors c'est Mike maintenant. Mike, sales manager. Bon, il y a un truc que je remarque tout de suite ici dans le magasin quand on rentre, c'est... L'ambiance, elle est... Mike ! Eh, hey, change ta musique, là, ça marche pas, là. Change la musique. Propose-moi tes trucs. Non, pas ça, mais un autre. Non, autre chose. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est bien. Ce qui est important aussi dans le magasin, c'est d'avoir une espèce d'ambiance musicale. Un design sonore, je dirais. C'est très important ça. La mélodie du business. Bon, bah, comme ça, je vous propose de me suivre. Hein. Je vais vous faire visiter le magasin quand même. La boîte à glisse. Visite quittée. Bon, Mike, alors on commence à rentrer. Alors, comment ça se passe? Alors, déjà, tout d'abord, hein, t'as quelques tapis pour t'essuyer les pieds. Hein, ouais, voilà. Ça c'est bien, mais bon, allez, ensuite. C'est quoi ces trucs là, Mike? Ça c'est pour cadenasser les vélos. Et ça, c'est pour le soir, pour la lumière? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est obligatoire, je pense. Donc là, t'as le BMX, hein, avec toutes les pièces, tout ce qui va avec. Hein. Là, t'as tout ce qui est sport d'hiver. Et derrière, au fond, toutes les chaussures qui vont avec. Tout ce qui est veste d'hiver, hein, pantalon, tout ce qui est pour le... Écoute, Mike, je propose qu'on voit ça un peu en détail. Hein. Je pense qu'il y a quand même des choses à voir, peut-être des tendances aussi dans telle collection. Je pense qu'il y a des trucs qui marchent plus ou moins bien aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Allez, c'est parti. La boîte à glisse, Meitos. Là, je vois par exemple qu'il y a un vélo, c'est le Rio enfant, ça. Hein. Non, pas du tout. Ah, comment ça, t'as vu? C'est des vélos de nains, ça, que tu vends, là? Ah, c'est pour faire les figures, hein. Faut pas que ça soit énorme. Tu plaisantes ou quoi, là? Ils font quoi, 50 cm tes vélos? Eh, y a un problème. Et tu peux mettre un carte-pot dessus? Et tu peux mettre un panier dessus? Ah, difficilement quand même, hein. Un vélo. Comme dit, hein, c'est pas pour s'asseoir, hein, c'est vraiment pour faire les sauts, quoi. Ouais, bah, je te crois pas. Et ça c'est des trottinettes? C'est pour les gamins, ça, non? Non, ouais, pour faire les figures. Hein. Des figures? Mais qu'est-ce que vous savez avec vos figures, là, tous? C'est à la crèche que tu peux vendre tes trottinettes comme ça? C'est pas ici, hein. Bon, bah, qu'est-ce que tu me montres maintenant, hein? T'as chaque chaussure qui est affiliée à sa discipline, t'as les chaussures de skate qui sont un peu plus renforcées au bout. Ouais, les chaussures, hein, j'ai vu ça dehors, hein, tu les mets deux fois et après tu les accroches en l'air, hein. Franchement, je trouve ça assez triste, hein. T'aurais pas un truc qui sort un peu de l'ordinaire? Un truc qui pète, quoi? Ah, j'ai toujours celle-là, mais celle-là, on a énormément de mal quand même, quoi. Bah, je la trouve top. Ton problème, Mike, c'est qu'elle est mal exposée, tout simplement. Bon, après, hein, comme dit, hein, on fait comme ça marche, quoi. Hein. Celle qui marche, on les met en avant et... Tu la mets en avant, tu la vends. Tu la mets en avant, celle-là, on va la vendre, hein. Pas de problème. Mais comment la mettre en avant? Mais devant les autres? Bon, bah, avec la chaussure en place, maintenant, je pense qu'on peut aller voir l'autre partie de Macassin, hein. Tu vois, c'est important, c'est quand même... Ouais, ouais. Respecter le truc, hein. Ouais, ouais. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais... Franchement, là,
peux m'expliquer, elle a l'air géniale. Bah c'est multisport, hein, ah, bah, là, voilà. T'es sur une chaussure aussi bien pour il le skate la chaussure. Pour le vélo. Pour, Et tout de suite il y a des gens qui sont intéressés. C'est du bon cuir, hein. Ça c'est du cuir italien, ça tient. Il les prend ? Ouais, ouais, il les prend, merci comme ça. Ah, oui, je t'en prie. L'hiver, hein, il y a toute la partie snowboard qui est pas négligeable. Hein, tout. Bon, tu montes un peu les produits ? Ouais, bien sûr, ouais. Alors en haut, t'as tout ce qui est boots, hein, donc les chaussures. Hein, j'espère que c'est un peu plus stylé que les chaussures de skate. Hein. T'as ce qu'on appelle les boards, hein, la planche, hein, proprement dit. Hein. Parce que c'est une chaise que j'appelais de porte aussi. Hein. C'est là, ouais. Et donc après, les fixations, hein, parce qu'une planche sans fixation... Vous avez pas dû, je sais pas, ce qu'il te faut ? Non. Pas ce qu'ils te font là. Vous avez pas des trucs un peu plus classiques là ? Il y a bien celle-là quoi. Par contre, on a toute la gamme mais qu'un pied quoi. Ah ouais ? Ouais, ouais. Ouais, il est pas mal. Si tu veux, pour ton arcade avec ceux-là. Ah bah, il y a une luche là quand même. Ouais, hein. C'est moins, tu vois, c'est moins le business quoi. Oh. C'est moins... Mais t'as vu où tu la mets ? Tu la plantes comme les autres là. Écoute, Mike, tu la prends et tu la mets dans le center of the shop là. Voilà, ça c'est une belle place. Bon, Mike, on continue à faire le tour là un peu. Voir les. Voir les fringues là. Ouais. C'est quoi les hauts, le t-shirt? Mike, il y a un client. Ah merde, excuse-moi. Oui, dis-moi. J'avais pas une question. Ça allait pas les chaussures? Ah si, 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 très bien. Ah nickel, nickel. Dis-moi. Moi j'étais intéressé par un produit de glisse là. Ouais, de snow, ouais. Verre, t'es plutôt freestyle, plutôt freeride, tu cherches une planche un peu plus souple, un peu plus snowpark ou. Ouais. Après ça dépend ce que vous recherchez quoi. Enfin, moi j'ai bien regardé là. Ouais. Et... Par contre, ce qui me plairait mieux ça. Ouais. Détailler. Alors là on est au top, hein. Là c'est ça c'est le cœur du poulet comme on dit. Hein. Là c'est un produit autrichien, pur bobsleigh, t'as des quarts en acier, ça on voit. Ça si tu veux envoyer c'est le top. Hein. Ouais. Ça, je prends. Vous avez pris les chaussures aussi ? Ouais. Ouais les chaussures, les... C'est... Bon, je vais pas commenter là-dessus. Hein. Bon, je suis avec Mike là. On fait toujours le tour du shop. Hein. On the road, la boîte à glisse. Part 2 à suivre. LMAA. La clé en morche.